Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Triangle Strategy. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je vais d'abord, avant de commencer le jeu à nouveau, parce que je vais vous expliquer ce qu'on va faire. C'est ça que je vais faire, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Il n'y a pas de d'abord avant quoi, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Je suis allé voir sur internet comment obtenir la route cachée. Et il s'avère qu'il y a pas mal de choses à faire pour l'obtenir. Mais surtout qu'il faut refaire le jeu entièrement. Parce que ce sont des choix qu'il faut que l'on fasse, ce sont des décisions précises qu'il faut qu'on fasse. Il y en a un peu moins d'une dizaine, je dirais, à faire au long de l'aventure. Et ce sont des choix, chacun d'entre eux est impératif. Il faut donc que l'on les fasse. Et donc de les faire de manière, on va dire, random dans un playthrough, sans aide, c'est pas forcément facile. Cela dit, on était quand même pas si loin dans notre route précédente en termes de choix. On a fait pas mal de choix qui étaient les bons, entre guillemets, pour faire la route parfaite. Sauf juste un, je crois. On a choisi de... En fait, le seul choix... C'est ça qui est un peu con. Le seul choix, je crois, qu'on a fait, qu'il ne fallait pas qu'on fasse pour avoir la route parfaite, c'était de livrer les Roséliens. Logique, parce que c'est juste... impossible, il faut qu'on les défende, mais sauf que j'avais choisi ce second choix puisque la première fois je les avais défendus. Donc dommage, tant pis, on va devoir se refaire tout le jeu pour ça. Après je crois qu'il y a un autre choix aussi qui était important que je n'ai pas fait dans cette route là, c'était d'aller voir plutôt, comment il s'appelle, d'aller livrer le sel de contrebande. Ça je l'avais fait dans le premier tour, dans la première fois, et là je ne l'ai pas fait. Ou l'inverse, je ne sais plus. Enfin bref, il y a des choix que j'ai fait dans la première route que je n'ai pas fait. Donc ça se trouve, il y a le mix des deux. J'ai fait quasiment tous les choix, donc en même temps, c'est logique. J'ai fait les choix une fois, mais je ne les ai pas fait dans le bon ordre. Donc ce qu'on va faire, avant de commencer à nouveau, de recommencer à nouveau le jeu une troisième fois, nous allons faire la troisième route. Celle avec laquelle nous choisirions de nous allier à Isante pour voir ce qu'il se déroule. C'est Frédérica qui va partir, c'est clair, hein, puisque dans le précédent c'était Bénédicte, là c'est Rolande, ici c'est clairement Frédérica qui part, donc ça va nous briser le cœur. C'est la route que je n'ai pas envie de faire, mais on va la faire quand même pour découvrir ce pan de jeu. Et une fois qu'on aura fini cette route là, donc on va ne faire que la fin de la route, hein, on ne va pas faire l'entièreté du jeu pour arriver jusque là, puisqu'on a déjà tout fait quasiment. Avant cela, seulement on n'aura pas la possibilité malheureusement de faire le choix, et à un moment il y avait trois choix, c'était aller chez les Roséliens avec Frédérica, aller chez les Wolfort avec Bénédicte, ou aller rester dans le royaume avec Roland. Et ce choix là je ne l'ai pas fait, et je ne pourrais pas le faire, parce que un des choix requis pour faire la route parfaite, c'est d'aller chez les Wolfort. Donc on va devoir refaire ça, et du coup je ne vais pas pouvoir aller faire cette petite partie-là, malheureusement, de la route. Tant pis, mais c'est dommage. C'est juste le seul embranchement qu'on n'aura pas pu faire, je pense. Si mes plaintes pouvaient remuer les passions, c'est parti. On va charger les données. Oui, on s'en fout de la sauvegarde temporaire. On va charger cette partie-là, cette zone-là, qu'on avait fait une sauvegarde, rappelez-vous, avant le choix. Et cette fois, nous allons... À partir de ce point, l'histoire peut prendre des points différents. C'est ce que nous allons faire. Je veux pas sauvegarder, vous m'avez... C'est pas grave, j'ai déjà sauvegardé ici. On va écraser cette sauvegarde, puisque c'est la même. Hop, j'ai déjà fait plein d'autres sauvegardes, donc ne vous inquiétez pas. Et j'ai mes deux fichiers de sauvegarde niveau 50 et 30, à peu près. Autre chose qu'on devra faire dans notre prochaine route, mais ça j'y reviendrai du coup, après avoir fini celle-ci. Je vous dirai ce qu'on devra faire, hein, quand on aura fait tout ça, quand on aura fini cette troisième route. Pour arriver sur la route principale, il y a pas mal de choses à faire, mais surtout, il va falloir que toutes nos unités, on les upgrade un peu. Oui, je suis formel. Ils ont dû avoir vendu l'existence des gemmes de sel, blablabla, blablabla, blablabla. Passer la scène, oui, on va passer la scène, on va essayer de speeder un peu sur ce qu'on connaît déjà. On va aller au vote. Et là, on va voter. Donc, cette fois-ci, ce vote pourrait nous diviser pour de bon. Absolument. On va appuyer la décision de Roland cette fois.
C'est dur à dire, mais bon. Abandonner le pays, le trône, alors que nous venons à peine de récupérer la capitale et d'entamer les efforts de reconstruction. En tant que vassal, je devrais suivre les consignes du roi Roland. Mais ce choix est d'une importance considérable et en toute honnêteté, je suis perdu. Et vous, messire, que pensez-vous des propositions du roi Roland et des autres? Mais la décision de Roland est incroyablement géniale. Eh ben oui, sacrifiant notre âme, nos convictions, tout. Et oui, on est d'accord avec le roi Roland. Êtes-vous certain de vouloir abandonner Glenbrook de la sorte? Isante a toujours été une nation puissante et ajouter à cela le bouclier de la déesse et Elfric, enfin nos ennemis, ne serait pas judicieux. Roland est prêt à se défaire du trône pour protéger son peuple, je respecte sa détermination. Non. Bien sûr, moi aussi j'aimerais soutenir la décision du roi Roland, cela fait bien des années que je suis à ses côtés après tout. Je préfère le côté je soutiens Roland plutôt que j'ai peur de Isante. Mais il a vaincu le duché après tant d'efforts et de souffrances pour enfin récupérer le trône. Il a même sauvé Dame Cornelia et juste au moment de tout reconstruire, il laisserait son royaume et ses sujets à la merci de l'oracle. Huguette, je peux comprendre sa volonté de se sacrifier pour son peuple, mais je ne peux tout simplement pas accepter qu'il fasse à l'acte. Sire Serenor, si nous nous plions à Isante, que se passerait-il selon vous? Privé de sel, Aesfros se tournerait vers la diplomatie pour résoudre le conflit. Nous éviterions la violence d'une guerre ouverte. Ben non, ça non. Il n'est pas privé de sel, Aesfros, puisqu'il est déjà de sel. Nous attaquerions Aesfros à la tête de l'armée isantaise dans le but d'unifier Nanzelia. Isante profiterait donc de cette occasion pour anéantir Aesfros. Dans ce cas, nous serions les premiers à périr au combat. Non seulement vous voudriez abandonner Glenbrook, mais en plus vous voudriez que nous sacrifions pour Isante. Non, pas pour Isante. Ce que Roland souhaite avant tout, c'est unifier Nanzelia sous la religion de la déesse, afin que le plus de citoyens possible soient égaux et vivent en paix. Mais c'est tellement con comme truc que je peux pas le soutenir. C'est là que je désire également, je me bats pour le peuple nanzélien. Donc là je suis complètement en désaccord avec tout ce qui est en train de se passer, mais je fais la route. Pour le peuple nanzélien, je vois le roi Roland et vous-même avez d'importants projets pour le futur. Je devrais moi aussi élargir mon champ de vision et réfléchir à nouveau. Bon, je n'ai pas convaincu, génial. Quelle que soit la voie que nous choisirons, nous devrons payer un lourd tribut en échange de ce que nous gagnerons. Bien entendu, je ne doute pas qu'ils aient proposé leur plan en connaissance de cause. Ce choix ne sera pas aisé, mais tâchons de prendre notre décision en fonction de nos convictions. Évidemment, et si ça ne marche pas, je recommencerai. Vous êtes donc d'accord avec le roi Roland, voulez-vous donner le royaume que nous venons tout juste de récupérer à quelqu'un d'autre? Abandonner notre nation pour le bien du peuple, voilà une décision qui a bien dû demander de la détermination. Mais il semble que le roi Roland éprouve encore de la haine pour Aesfrost. Quant à vous, messire, pourquoi êtes-vous d'accord avec ce plan d'action? Sous le règne de la déesse, tout le monde était égal, plus de citoyens y trouveraient le bonheur que sous la loi du plus fort d'Aesfrost. Nous ne connaissons pas encore la véritable puissance du glas du jugement, nous engager dans un conflit sans être sûr de nos atouts serait de la folie. Non, non, premier choix. Égalité, bonheur, voilà des mots qui se veulent rassurants. Mais sachez que tout n'est pas rose à Isante. Oui, absolument, mais on s'en fout. On s'en fout, le peuple, il faut qu'il y croit. Je le comprends bien, mais nous n'avons pas d'autre moyen d'obtenir cette égalité et cette sécurité. Si Glenbrook se rend et que Isante prend possession des gemmes de sel, nous serons complètement sous leur joug. Ce sont là les aspects négatifs des terres sacrées. L'oppression du peuple Rosel continuera jamais. Mais je m'en fous, je suis un 700, moi. Il s'agit malgré tout de la meilleure solution pour la plupart des citoyens. Serenor, t'as un 700, il peut peut-être faire des choses intéressantes quand même. Vous n'avez pas tort, mais cette solution réserve un sort bien cruel pour Frédérica et les Roseliens. Que comptez-vous faire une fois que nous serons soumis à Isante? Nous détruirons Aesfrost et unifierons ton Orzalia sous le culte de la déesse. Je compte changer Isante depuis l'intérieur. Ça marchera pas, hein. Tu te berces d'illusions. On détruira Aesfrost. Détruire Aesfrost veut dire aider le roi Roland dans sa vengeance, n'est-ce pas? À première vue, oui, mais notre véritable objectif est d'unifier le peuple de Nanzelia et de leur offrir une meilleure vie. C'est là le but que nous devrons atteindre à tout prix si nous décidons de leur faire don de nos terres et des gemmes de sel. Nous devons donc nous battre et gagner pour apporter la paix et l'égalité aux citoyens de Nanzelia, quoi qu'il arrive. Entendu, je comprends mieux votre opinion, Sir Serenor. Pas vraiment réussi à persuader Gila. Ah. Bon, bah c'est même pas la peine pour Frédérica. Hein. Bénédicte, c'est même pas la peine non plus. Notre sang et notre sueur gorgent ces terres. Pourquoi devrions-nous les donner à Isante? Je comprends bien ce que Dame Frédérica ressent, mais nous ne pouvons pas risquer de tout perdre pour les Roseliens. Je suis pour le plan de Bénédicte, mais je n'arrive pas à me débarrasser de ce poids sur ma poitrine. Comment ça vous êtes d'accord avec le roi Roland? Mais à quoi pensez-vous donc, jeune maître? Si nous associons avec Isante, nous serons en mesure de battre Aesfrost. Nous devons écraser les ambitions de Gazdolf pour de bon. Ce ne fut pas un choix difficile à faire pour Roland, je veux simplement le soutenir en tant qu'ami. Non, on va faire ça. Plus la guerre. Il est vrai que c'est l'invasion de Gustadolf qui a commencé ce conflit. Il a assassiné le roi Reyna et le prince Franny et s'est emparé de la capitale. Ce sont des actes qui m'ont entraîné dans des difficultés par la suite. Si le roi Roland en est venu à faire ce choix aujourd'hui, c'est également à cause de Gustadolf. Le monopole du ciel, l'illusion de liberté, Gustadolf est sans doute son propre avis à ces sujets. Mais il doit payer pour ses actes de violence, ses machinations contre Glenbrook et contre tout Nanzelia. Ah, vous voulez donc lui rendre l'appareil, c'est bien ça? Nul besoin de toutes ces complications, vengeons notre maison tout simplement. Il s'agit là de la dernière mission des trois grandes maisons du royaume de Glenbrook. Bon, il reste plus que Anna. Les plans de Sir Roland et Bénédicte nous entraîneraient tous deux dans une bataille décisive.
Quant à la suggestion de Dame Frédérica, il nous sera bien difficile de semer les troupes isantaises après avoir délivré les Roséliens. Elle a tout à fait raison. C'est comme ça que Serenor meurt. Alors, allons-nous déclarer la guerre à l'une des deux grandes nations ou sauver le peuple Rosel avant de nous enfuir? Que nous répondions par l'offensive ou la défensive, il nous faudra faire preuve d'audace et de technique dans nos stratégies. Pourrais-je vous poser une question, Sir Serenor? Je comprends bien que l'objectif du roi Roland est d'apporter la paix à ses sujets qui étaient jusque-là divisés. Et pour ce faire, il veut se plier à la volonté de Isante, étendre le culte de la déesse et défaire Aesfrost. Mais vous, messire, que pensez-vous de ses ambitions et de sa stratégie? Si nous nous allions à Isante, le peuple du royaume sera à nouveau uni. Son plan d'action me semble astucieux. Si nous voulons anéantir Aesfrost, c'est maintenant ou jamais. Non. Même si les citoyens sont de nouveau unis, cela sera en tant que disciples de la déesse. Tous ceux qui ont grandi avec les traditions et, la culture de Glenbrook finiront par disparaître. Est-ce là vraiment ce que le roi Roland désire? En effet, nous risquerions de perdre beaucoup de choses, mais Roland a fait son choix malgré cela. Unifier le peuple et leur offrir la paix et l'égalité, vos intentions sont compréhensibles. Je suis peut-être trop sensible, mais je pense que le prix à payer pour cela est trop élevé. Mais on est tous d'accord avec ça, hein. Bon, on est d'accord que ça va pas fonctionner, hein. J'ai quand même bien l'impression qu'on va pas passer... On va pas réussir à passer, là. Vote. Bien, passons au vote. J'ai un peu peur, là. Parce que Roland, il va voter pour lui, évidemment. Les autres, ils vont voter pour eux. Frédérica, elle va partir. Si ça marche. Non, c'est ces quatre-là. Gila, elle va pas voter. Hein. Je suis navré sur Serenor, mais je ne peux pas m'arranger à votre avis, on est d'accord. Donc Gila, elle va dire non. Anna, je pense qu'elle va pas voter pour. Je dois rester fidèle à mes convictions, désolé. Ça en fait déjà deux de niquer. Ma décision est prise pour le bien du roi Roland et de tout, je vous suivrai dans cette direction. Oui, ça, Huguette, c'est logique. Et c'est possible que lui aussi. Du coup, ça va faire égalité. Je suis bien décidé à vous suivre dans votre décision, jeune maître. À moins qu'ils soient encore indécis. Non, ils vont voter pour autre chose. Ils seront 2, 3. 3 contre 3. Ça va être chaud. Balance des convictions, montre-nous la voie qui a été choisie. Ça va être 3-3. Il y a une égalité. C'est la première fois. C'est la première fois qu'il y a une égalité. Bon, Frédérica, elle se sent seule un peu. Nous avons une égalité, c'est donc à moi qu'il revient de trancher. Ah, c'est la première fois. Incroyable. Il y a une égalité et c'est Roland qui choisit. Bah parfait, Roland. Serenor. Bah c'est cool. C'est cool ça. C'est la première fois, ça nous a permis de voir un... Ce qui se passe en égalité. La balance a parlé, notre voie est tracée. C'était chaud, hein. Nous allons nous soumettre à la volonté de Isante et tenter d'unifier Norzelia selon la proposition de Roland. Là, Frédérica, elle va partir en pleurant. Ça va nous faire mal à voir. Si mes plaintes pouvaient remuer les passions. Fin. Roland, son ami depuis toujours. Frédérica, sa promise, ou Bénédicte, son plus fidèle serviteur, tous les trois avaient une opinion très différente de la voie qu'il leur faudrait adopter. Les Wolfhorst avaient cependant toujours été gouvernés par le jugement de la balance. Il ne pouvait y avoir qu'un seul et unique chemin à suivre. Le secret qui pouvait changer à tout jamais l'histoire de Norzelia était désormais entre les mains de Serenor, seigneur du domaine de Wolfhort et meneur d'hommes. Le moment était venu de faire un choix et d'aller de l'avant. Chapitre 17, acte 2. Couler mes larmes. Non, Frédérica. Ça me fait mal, ça me fait énormément de mal. Je vais pas pouvoir l'accepter ce choix. Ça va me briser le cœur. La balance a parlé. Nous devons nous mettre au service de Isante et combattre Aesfrost. Non. Attendez. Cela revient à renoncer à tout, à se laisser dominer par les terres sacrées. Je le comprends bien. Veuillez me pardonner. Frédérica, c'est la meilleure façon d'apporter paix et égalité en Norzelia. Sauf les Roséliens quand même, hein. T'oublies bien les Roséliens, et puis t'oublies bien la paix et égalité, paix peut-être, égalité pas du tout. Hein. Foutage de gueule. Hein.
Vous faites une grave erreur. La paix et l'égalité promis par Isand seront le résultat du sacrifice du peuple Roselle. Si l'égalité est vraiment ce que vous souhaitez, pourquoi ne pas commencer par sauver les Roselliens qui sont persécutés en ce moment même? La décision de la Balance est définitive. Malheureusement, cela nous est impossible. Pourquoi? Avec le pouvoir des Wolfort, il nous serait pourtant possible de secourir mes pères. Toutes mes excuses. Je comprends votre peine. Ben non, mais là non. Cependant, en tant que membre de la maison Wolfort, je me dois d'accepter le jugement de la Balance. Serenor, même dans une telle situation, vous restez franc et honnête. J'admirais ses qualités chez vous, Frederica. Mais maintenant, cette honnêteté m'est odieuse. La justice peut parfois se montrer sans pitié pour les faibles. C'est pour ça qu'au nom des faibles, au nom du peuple Roselle, je m'oppose à cette décision. Serenor, je vous défie en duel. En duel? Mais qu'est-ce que tu racontes? Calme-toi, Frederica, je t'en prie. Non, pas Frederica, note l'existe. Je suis sérieuse. Reculez tous, s'il vous plaît. Aïe. Non. Ah, ça me fait du mal. Cette ligne temporelle n'existe pas, hein, sachez-le. Serenor, si vous gagnez, je promets de vous obéir, mais si la victoire est mienne, je quitterai la maison Wolfort et j'irai sauver le peuple Roselle moi-même. Frederica, est-ce vraiment votre intention? Mais ça veut dire qu'on va perdre? J'ai conscience que c'est égoïste de ma part. Si possible, j'aurais aimé rester à vos côtés. Mais je refuse de vous suivre si cet avenir consiste à abandonner les miens. En garde, Serenor Wolfort. Serenor, je ne regrette en rien notre voyage et les défis que nous avons bravés ensemble. Au contraire, je suis rempli de fierté d'avoir pu marcher à vos côtés en tant que membre de la maison Wolfort. Moi de même. Je n'oublierai jamais ces moments passés avec vous. Et pourtant, il semble que vous avez choisi votre amitié avec le roi Roland plutôt que la mienne. Mais non! C'est jamais le choix qu'on a choisi ça, Frederica. C'est faux. Il est vrai que j'admire la dévotion de Roland envers son peuple. En ce moment même, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour rendre ce monde plus juste. Pour atteindre cet objectif, il est même prêt à renoncer au trône et à sacrifier son pays. Ouais, et du peuple Roselle aussi. Et pour cela, les Roselliens devraient rester tyrannisés. Ils sont pourtant eux aussi des habitants à part entière de Norzelia. Essayez de comprendre, Frederica. Je me dois de protéger le peuple du domaine de Wolfort avant tout. Cependant, assurer la sécurité de tous les habitants en même temps est impossible. À l'heure actuelle, mettre fin à la guerre est notre meilleure option pour sauver le plus de monde possible. Nous acceptons la gouvernance de Isand, le sel et les richesses seront répartis équitablement dans tout le continent. Grâce à cela, un grand nombre de citoyens pourront enfin vivre en paix. Le peuple de Wolfort est bien chanceux d'avoir un seigneur tel que vous qui les place avant tout le reste. Mais les Roselliens qui n'ont, eux, personne pour les protéger ni les guider, quel sera leur sort? Une fois la guerre terminée, je veillerai à ce qu'ils soient traités correctement. Pour l'instant, nous devons privilégier le plus grand nombre. Le peuple Roselle sera sacrifié, c'est inévitable. Vous comptez donc vous aussi baisser les yeux et ignorer la situation? C'est ce que tout le monde a fait jusqu'à présent. Si vous détournez le regard et que vous ignorez leurs souffrances maintenant, vous finirez par les oublier à nouveau. C'est ce que l'histoire nous a prouvé. On peut être que d'accord avec Frederica. Hein. C'est pour cela que je dois aller les sauver dès à présent. Serenor, j'étais pourtant certaine que vous comprendriez. Arrêtez, Frederica, je vous en prie. Je ne veux pas vous perdre. C'est trop tard, là. C'est moi qui vous supplie de changer d'avis. Ne vous souvenez-vous pas? Vous m'aviez assuré que j'étais, moi aussi, membre de la maison Wolfort, que j'aurais toujours ma place parmi vous. J'étais tellement heureuse de l'entendre. Pour la première fois, j'avais l'impression de faire partie d'une famille. Ce jour-là, je m'étais promis de vous suivre où que vous alliez. Mais hélas, ce rêve n'a pas lieu d'être. Notre vision du futur est désormais bien différente. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Je vais canaliser toutes mes émotions dans ce sort. Entendu. Montrez-moi ce que vous pouvez faire. Mais laisse-la pas canaliser son sort, enfin. Ça, c'est l'ultime, hein. Donc on a perdu et elle va se barrer. Ou pas.
Vous êtes vraiment un homme remarquable. Prendre les attaques de plein fouet ainsi. Saranor, la victoire est votre. J'obéirai aux directives de la maison Wolfort. J'accepterai également toute punition pour avoir défié la décision de la balance. Il n'y a pas besoin de punition. Pas plus qu'il n'y a besoin de vous forcer à aller davantage à l'encontre de vos convictions. Pardon ? Fadrika, ce que vous éprouvez pour le peuple Rosel, vous me l'avez fait ressentir également. Je ne voudrais en aucun cas corrompre votre cœur si bienveillant et pur. Ce sont des qualités que j'admire chez vous. Mais ne la laisse pas partir, j'aimerais que vous restiez fidèle à vous-même. Non. Quoi qu'il arrive, que votre âme et votre cœur jamais ne vacillent. C'est Sad. C'est pourquoi je vous demande de partir, pendant que je ne vous vois pas. Merci. Après tous les moments que nous avons vécu, jamais je n'oublierai vos dernières paroles. Adieu, mon cher et tendre. Mais ça peut pas être... Dès le début, ça commence mal. Dès le début, ça commence mal. Tu les sépares les deux, ça peut pas aller. Ça peut juste pas aller, quoi. Frederica, attends-moi. Laisse-moi t'accompagner. Autant Roland dit qu'il s'est barré, mais je m'en suis presque battu les steaks. Bénédicte, pareil. Mais là, Frederica, c'est pas possible. Je trouve que Roland, il a évolué de la pire des façons. Il était un peu naïf et ignorant au début, mais il était sympa. Puis, au fur et à mesure du conflit, il a pété un câble, quoi. Là, on est dans le pire de ce qu'il faut pas faire, quoi. Non, Dila, je te demande de rester. La maison Wolfort s'apprête à livrer un terrible combat. Fais en sorte d'aider Serenor du mieux que tu le pourras. Est-ce bien là ce que tu souhaites? J'espère que tu me pardonneras d'avoir été égoïste jusqu'au bout. Merci pour tout. Il me reste un devoir à accomplir. Seul. Tu veux te battre pour sauver les Roseliens, mais comment comptes-tu t'y prendre? Je veux transmettre la vraie nature de leur histoire au peuple de Norzelia, la légende du peuple Rosel. Je sais bien qu'ils ne me croiront pas sur parole aussi facilement, mais je suis certaine que tôt ou tard, la vérité attisera, j'ai tout condensé en un seul mot, la curiosité des gens qui voudront eux aussi se battre pour sauver les Roseliens. Alors, à mesure que leur nombre grandira, la foi en la déesse vacillera, ouvrant dans sa chute le chemin de la liberté pour notre peuple. Je ne dis pas que c'est impossible, mais le chemin d'ici sera long et périlleux. Tu ne crois pas? Bien sûr, je ne le sais que trop bien, mais je marcherai sur les traces de ma mère. J'irai plus loin encore, jusque là où elle aurait voulu aller. Je vois que je n'ai plus rien à t'enseigner. Cependant, promets-moi une seule chose. Promets-moi de ne pas mourir, Frederica. Quoi qu'il advienne, reste forte. Je te le promets, Gila. Mais non, Frederica. Oh, le message. Oh, le message. Je pense que j'en fais une miniature. Juste ce message. Juste ça. Oh non. Frederica quitta Serenor, farouchement déterminé à libérer les Roseliens. Entre-temps, Roland fit part de l'existence du gisement de sel à Isande et donna en offrande à la déesse la nouvelle mine de Norzelia ainsi que le royaume de Glenbrook. Waouh. Après avoir accédé à sa requête, l'oracle reconnut l'annexion des terres de Glenbrook afin d'officialiser le serment de Roland. Il invita ainsi que Serenor à venir à son palais. Je comprends mieux pourquoi il fricote avec Idor quand même à la fin de la première route, hein. Enfin de la route précédente. Pendant le conseil des sept saints, Idor fait l'éloge de Roland qui a décidé de s'allier à Isante. La pire route. Titre de l'épisode, la pire route. Conformément à la volonté de la déesse, Glenbrook est désormais sous notre contrôle. Roland, en offrant de la déesse, nous a cédé non seulement son royaume et son statut, mais aussi ses ressources salines. Parce que c'était la pire fin le précédent, ou enfin, la première route j'avais fait de la pire fin ou un truc dans le genre. Parce que Serenor était mort, mais au moins ils étaient en bon terme, ils sont quittés, ils étaient en bon terme, ils s'aimaient comme pas possible, ils sont morts, c'est super triste, mais c'était beau quoi. La deuxième route,
Ils sont pas morts, mais on sent que tous les deux ils sont un peu mitigés quoi. Celle-là elle est pire. J'espère que la Golden Route là, la prochaine, sera vraiment top. On verra bien. En offrant à la déesse, nous a cédé non seulement son royaume et son statut, mais aussi ses ressources salines. En reconnaissance de sa foi, l'oracle lui a confié le statut de saint. Ah, saint, Roland est un saint. Cependant, la place vacante laissée par Sorcy est déjà prise par Serenor. Ha ha, nul souci à se faire, une autre place ne devrait pas tarder à se libérer. Et laquelle? Sir Enigma, je crois que vous savoir que vous avez comploté avec Sorcy, et vous êtes mêlé à de la contrebande de sel, non? La tienne, tout simplement. Par ailleurs, vous avez organisé des tournois interdits et touché de l'argent illicitement. Comment avez-vous avancé des accusations pareilles? Avez-vous des preuves? J'en ai été informé par Clarus de la firme d'Anzelienne. Inutile donc de nier davantage les faits. Clarus, il m'aurait vendu pour s'attirer vos bonnes grâces? Votre Excellence, que décidez-vous? C'est un robot. On le sait maintenant. Laissez-moi vous transmettre les paroles de son Excellence. Vous avez commis le double outrage de vous opposer à la doctrine de la déesse afin de vous enrichir personnellement. En conséquence, Enigma Mistel, la déesse exige deux offrandes en réparation de vos fautes. Votre richesse et votre vie. La première, votre siège parmi les 700. La seconde, votre vie. C'est la même chose. Attendez, je vendrai tout ce que j'ai mis si mal acquis. Mais de grâce. On reconnaît l'attaque. Hein. Grillé sur place. La déesse est satisfaite par votre offrande. En dehors des tournois, nous n'avons pourtant pas de preuves concernant cette complicité dans le trafic illégal de sel. Était-ce vraiment ce que la déesse souhaitait? Enigma nous a avoué les faits. Cela suffit bien comme preuve. La déesse nous accorde à tous un traitement égal, bien sûr. Bien sûr, Idor, on y croit. Sa protection est sans limite pour ses fidèles, et sa colère l'est tout autant pour qui s'oppose à elle. Ça s'applique à tous sans exception, y compris aux sept saints. Tâchez de ne jamais l'oublier. J'y veillerai. Mais j'en compte toujours que 6, là, on est d'accord? C'est qui le septième? Parce qu'il y a Idor, ils sont 3. Et Serenor. Ça faisait 4. Ils étaient 6, là. Ils étaient 5. Il y en a un qui a grillé. Mais ils sont que 6. C'est qui le septième? On est d'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Et Roland, 6. C'est l'oracle, le septième? Et non. C'est qui le septième? Pourquoi il est jamais là? Roi Roland, êtes-vous prêt? Oui. Roi Roland du royaume de Glenbrook, jurez-vous de vous croire en la doctrine de la déesse du sel et de lui confier votre vie? Je le jure. Je lui confie non seulement ma vie, mais aussi mon trône et mes territoires. Je lui remets aussi le sel que renferme nos terres. Que la déesse, dans son infinie bonté, accorde protection et paix à tous les peuples de Norzelia. À tous les peuples, dites-vous. Entendez-vous par là qu'il faille régler la question d'Aes Frost? En effet, le seigneur de Wolfort et moi-même en avons la ferme intention. Votre Excellence, que pensez-vous de cette proposition? Bien sûr. Laissez-moi vous transmettre les paroles de son Excellence. Roland Glenbrook, vous êtes désormais l'un des sept saints, je soutiens votre plan d'action. Anéantissez Aes Frost de votre propre main et répandez la bénédiction de la déesse sur tout le continent de Norzelia. Je vous en donne ma parole. La bénédiction de la déesse, quoi, ce foutage de gueule. Pas être content lui. Monsieur l'intendant, j'ai une nouvelle urgente à vous annoncer. Le roi Roland a abdiqué et l'oracle en a fait l'un des sept saints. Le royaume de Glenbrook est donc désormais entièrement sous le joug de Isant. Au moment où je vous parle, les armées conjointes se préparent à marcher sur nous. Maudit Roland, non content de vendre les gemmes de sel à Isant, tu vas jusqu'à leur laisser ton propre pays. As-tu renoncé à te battre, ou bien te serais-tu laissé berner par les Wolfort? Alors là, clairement pas, non. Quoi qu'il en soit, il faut être idiot pour renoncer ainsi à sa liberté. Tu ne me fais pas peur. Sikras, occupe-toi des deux sentinelles. Montre aux marionnettes de l'oracle de quel bois nous nous chauffons. À vos ordres, nous battrons jusqu'à la mort pour préserver notre liberté. Il nous faut les vaincre avant que nos réserves de la nouvelle mine ne s'épuisent. Cette bataille décisive tombe à point. Soit le culte de la déesse sombrera dans l'oubli, soit Aes Frost disparaîtra de l'histoire.
Celui qui sortira vainqueur de cet affrontement ne sera rien de moins que le maître incontesté de Norzelia. Couler mes larmes, fin. Ah, les chapitres, ils défilent. Hein. En même temps, il n'y a pas de raison d'avoir de combat, là. Acte 2. Mais c'est parfait. C'est une fin d'épisode. Nous pouvons pleurer. Et puis on se retrouve dans le prochain. Pour la suite, peut-être qu'il y en aura un second cette semaine. Je pense qu'il y en aura un second cette semaine même. Parce que je vais le tourner tout de suite. Ciao, ciao tout le monde !